le cadeau, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a décidé d'organiser cette conférence, c'est pour plusieurs raisons. Mais raisons fondamentalement concernées la nécessité d'organiser des assises criminelles durant cet été. Et vous comprenez l'aller dans l'article 180, 181 et suivant du code d'instruction criminelle, la loi fait obligation aux doyens du tribunal de première instance d'organiser chaque semestre des assises permettant aux prisonniers d'être jugés, permettant aux prisonniers d'avoir accès à la justice. Et je dis à nous-mêmes comme avocats, comme structure dans mon cadeau, nous faire conférence ça, c'est parce que nous estimons que les prisonniers à travers tout le pays sont laissés au compte. Bon, même comme avocat, j'ai tellement souffri, assise qui est presque 4 ans, il n'est pas jamais organisé. L'article 181, il dit que chaque 6 mois, vous faites assise et que nous sommes 4 ans, nous ne pas faire assise, vous va comprendre combien de monde va laguer là. Et l'homme défend le droit à monde. Le droit à la justice est un droit fondamental. Nous-mêmes, nous avons goûté pour ça. Le droit d'être jugé est un droit fondamental. Nous avons goûté pour ça. C'est ça que fait nous tirer la sonnette d'alarme. Parce que l'autorité qu'on a là, c'est l'élection ou qui bon notre sujet. Mais oubliez les gens qui sont en prison. Oubliez les gens qui sont jugés. Oubliez les mesdames cabaret. Et ils viennent sont bons cabaret. Actuellement, là, dans le cabaret, dans la prison civile cabaret, il y a presque 400 femmes. Combien de condamnés, ils viennent sont condamnés? 42. 42 personnes qui sont condamnés déjà dans la prison civile cabaret. Jenny Kaboko l'a vu peut-être un héros matériel parce que tout le monde peut perdre le job. Quand pilote est dans la prison, bon, hier matin, il fait bien, côté que, il dit qu'il y a presque 6 personnes qui sont dans la prison au cabaret. En de prison, si le bon dossier va parler, nous faisons mon TP. Mon vidéo là, m'a tout invité, internaute, journaliste, que m'a posté à 1h sur compte Twitter. Alors peut-être que, excusez-nous, on va le faire, il va le choquer nous, mais nous allons crier pour nous dans quelles conditions que nous vivons dans la prison civile pour le prince. Nous toujours aimé dire, nous ne pas inventer. Qui sa autorité au fait pour permettre que nous soyons joints de meilleures conditions? C'est bataille ça que tu as droit. C'est dans ce sens ça qu'on dit autorité exécutive, à savoir Ariel Henry, grande responsabilité, mettez toute mise en place pour que assise organisée, moi ça. Nous pas d'accord qu'on en ait pas son corps pour ne pas juger. Nous même au niveau du cadre, nous tellement bien avocats disponibles et disposés, nos services sont gratuits pour défendre ces prisonniers. Et imaginons que nous là, nous jeunes avocats, nous formes compétents, nous qui bataille, l'État pays ne pas permettre que nous ne jouions justice. Donc dans ce sens, on a fini pour nous dire que, avant pour l'autre point, on a fini pour nous dire que l'important pour comprendre que prisonniers politiques, courage, Abelson Mugonek, Kili Persemelus, Arnel Belize, tout le monde qui a arrêté, tout le monde qui parle, tout le monde qui parle pour nous, tout le monde qui parle non. Tout le monde qui l'a, qui laissez vous compte, quand mourir dans la prison, TB, moi dans la prison, Fabien, je dis que son nez peut être fait mal, mais mon petit peu, pas jeune. Pas de cache-nez, de l'eau pas propre, manger pas bon. En la prison civile, il y a une tête chargée, on a mouru TB. Bon dispenser en la prison, même franchement, ça, le couloir de la mort, des bons entrer là-dedans, des bons entrer là-dedans, c'est sorti, cadavre sorti. Donc voilà pourquoi on a dit que nous tirer la sonnette d'alarme, nous crier au effort pour nous dire Ariel Henry, prends responsabilité. Si c'est ministre justice, ça peut changer pour permettre que le tribunal fonctionne, pour permettre que l'assise organisée, pour permettre que malheureux et malheureux, qui vont nous bouer à juger, qui vont nous poule à juger. Nous ne sommes pas qu'à nos états barbares, nous ne sommes plus à l'état de la barbarie, mais à un état où les droits fondamentaux de la personne humaine doivent être respectés. Deuxième point. Dans la semaine, non? Et avant d'entrer dans le dossier, ça, on va de jumelage. On me dit, toute autorité, tout le monde, tout acte en dans la société civile, quel que soit l'accord qu'il a signé, depuis qu'il n'a pas pris en considération la libération des prisonniers politiques,
le cadeau n'appuiera pas sur la cour. Depuis, il n'a pas pris en compte la relocalisation du tribunal. À cause ça, le cadeau n'appuiera pas sur la cour. Depuis, il n'a pas pris en compte les mécanismes, les dispositions à prendre pour le fonctionnement à plein régime de l'appareil judiciaire, cadeau va pas payer. Depuis, il n'a pas pris en compte l'assainissement des prisons, l'amélioration des conditions de détention, le cadeau n'appuiera pas sur la cour. Parce que notre bataille comme organisme de droits humains pour la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine, constate tout. Notre bataille pour les gens qui sont en prison, notre bataille pour les gens qui ne sont pas avocats, notre bataille pour greffier, notre bataille pour juge. Parce que moi-même, comme avocat, je veux que tout le monde juge. Je veux que je combatte sur la population carcérale. Et c'est dans ce sens-là, mardi 10 août, je fais sit-in devant le ministère de la Justice en faveur d'Abelson Gounek. Pour nous dire à Abelson Gounek, nous ne sommes pas là pour nous. Et j'en ai dit dernièrement, en conférence dernièrement, je t'avais fait sit-in devant le coup d'appel pour Anel Belize. Je l'avais dit, ça avait froissé plus d'un. Le dossier d'Anel Belize n'était pas à la cour d'appel. Le dossier d'Anel Belize est à la cour de cassation parce que le commissaire du gouvernement avait exercé un pouvoir. Mais nous-mêmes, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait sit-in mardi? Nous n'avons pas fait sit-in mardi pour nous dire, ouais, mais on a servi de prendre responsabilité dans le cadre du dossier d'Abelson Gounek. Désigner un juge pour qu'attendre ABS pour sa personne de l'école. Nous prenons des autorités autour, regardez, dégagez-nous pour mettre Jean-Jacques. Nous ne pouvons pas faire ça. Juge qui prend un coup de cassation, mettez-le pour juge pour coup de cassation, qui réunit, puis qui statue sur les différents pouvoirs exercés contre les arrêts ordonnances émis par la cour d'appel. C'est dans ce sens que nous allons faire ceci. Et il est important pour nous comprendre que nous invitons tout le monde à venir dans cette ça parce que l'un fait, nous faisons pour Abelson, nous faisons pour l'autre monde, nous faisons pour tout. Parce que si il y a là pour nous, on dit qu'il pour nous. Ou pour la bonne raison, c'est, alors ça ne va pas souhaiter, c'est leur constat qu'on s'est malé, s'est malé, qui voilà qu'on vole un bloc, a fait 10 ans en prison. Fabien, vous ne pouvez pas dire là. Vous n'êtes pas arrêté pour voler pour être. Voler pour être là, c'est un délit. Il fait 3 ans, Fabien de Mousson. 3 ans. Il dit que j'ai peine volé pour être là. Pour être tribunal pour fonctionner, il fait 2 ans. Parce que chaque temps, il finit par un greffier, par un juge. Fabien Dandé, il finit dernièrement là. 3 ans plus 2 ans, fait 5 ans. Il ne va pas juger pour son bonheur. Parce que greffier pas venu au tribunal. Ça va faire 6 ans. Il est dans 3 ans déjà. Il fait 3 ans déficit. Il perd du 3 ans dans la ville parce que le tribunal va fonctionner. Dernier point, c'est un point qui fait parler de l'IAMP. Les postes, ça va l'intéresser toute éternité. Même pas avocat, journaliste, rien d'abdil. Mais son mise au point m'a fait comme avocat. Mise au point sous action qui fait contre journaliste Radio Bégal. Mais je ne peux pas défendre le journaliste. Mais je veux faire cette mise au point pour permettre aux étudiants, aux journalistes, aux internautes, aux téléspectateurs de comprendre la nécessité ou bien l'importance, les nuances de cette action. Action faite là, ils sont action en pension alimentaire. Pension alimentaire, en bon créole, on est beaucoup petit de pas occuper le madame ou qu'a fait action en pension alimentaire pour forcer ou occuper tout le monde. C'est ça fait là dans le cadre du journaliste. Mais nuance de Fabien, c'est que décret 14 septembre 1983, Evenson, Lidzou, écoutez, monsieur a fait Timon, madame a fait Timon, va occuper. Depuis, il est venu devant le tribunal Evenson, il a fait action en pension alimentaire, que vous venez, que vous pas venez, décision pas opposable à vous-même. Tenez bien, oui? Parce que ma tante de journaliste qui a commenté, moi-même, je voulais éclairer l'interne population. L'on est vous font Timon, va occuper. L'on fille ou font une bonne occupée, ils ont fait une action devant le doyen pour forcer l'occupée. Maintenant, décret, le monde qui t'a pris un décret, il dit que comme son petit monde, je ne peux pas dire la quoi intérêt de monde. Et ça que fait le législateur dit ça. Il dit si je ne dis la quoi petit monde, je malade, il y a des problèmes parce que petit monde, si je fais ça, c'est parce que petit monde n'a pas manger. Comment bien oui? C'est parce que petit monde n'a pas manger. S'il n'a pas manger, c'est raison ça qui fait pour protéger l'intérêt. Donc, maintenant, le décret a dit que là, le envoyé papier par vous, vous venez devant le tribunal, vous venez plaider,
si vous pas venir, si dame nous demande 100 000 gouttes de son pour bâtir chaque mois, vous obligé de payer 100 000 pour ça. Parce qu'on pas là. Mais par contre, le vrai papier à vous, Fabien, ou vini, ou qui doit dire un bal d'accord, ou qui doit contester mon temps, ou qui doit dire un bon fonds de salaire, une vérité de Simon et moi. Mais le fait qu'on pas venir, si dame nous demande 100 000, 200 000, 300 000, décision opposable à vous-même, ça qui pique. Vous pouvez faire recours. Dans le cadre d'une action en pension alimentaire, il vient de son. Ou pas qu'à faire appel, non? Ou pas qu'à le coup d'appel pour dire pas d'accord, non? Ou qu'à faire cassation? Ou à exercer un pouvoir en cassation? Le pire, même l'on fait cassation, il vient de son. Cassation par suspendre effet ordonnance. Si moi, vous regardez, si vous dites que vous pas occupé, vous avez madame 100 000 gouttes par mois, obligé de payer. Si vous payez, ça arrête à parler de vous. De ou pas payer, il y a marito, il y a metto dans la prison, il y a blago, ou pas passer plus qu'un mois. C'est jusqu'à ce qu'on finisse de payer pour la go. Donc moi je voulais comprendre, moi je voulais expliquer à l'internaute que ce n'est pas une sorte d'arbitraire que doit en faire, mais c'est au contraire c'est législateur qui nous pose une question. Pour qui ça, il a été décidé avec activité comme ça, vous comprenez, c'est protéger l'intérêt supérieur général de l'enfant. Pour protéger l'intérêt de l'enfant, il a été décidé comme ça. Mais nous-mêmes comme avocats, il faut commencer à réfléchir, nous faut comment, qui type de loi n'a pas, qui type de décret n'a pas, pour ne pas léser la société, pour ne pas abuser de droit en l'autre. Mais cependant, il faut toujours faire en sorte que, dans le cadre d'une telle action, que l'intérêt supérieur général de l'enfant soit respecté. Et même l'intérêt qu'on a respecté, faut pas éviter léser personne. Merci beaucoup.